Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle ouverture de booster, et cette fois-ci je n'ai pas un, ni deux, ni trois, ni quatre, ni... Je ne sais même pas combien j'en ai, j'avoue je ne sais pas compter, mais j'ai plusieurs boosters. Il s'agit donc d'un booster Spectre de l'Ombre, un booster Tempête de Rage, un booster Les Chasseurs de l'Infini, un booster Pack Étoile Étoile Vent, parce que je crois que je n'avais encore jamais acheté, un booster les nouveaux Challengers, un booster Les Jugements de la Lumière et un petit booster Speed Duel. Voilà, c'est mon petit plaisir coupable. Vous le savez, j'avais dit que ce serait le dernier, mais à chaque fois je craque. Donc, je vais les ouvrir un par un. Les pré-ouvrir. Et voilà, je les ai déjà pré-ouverts tous. Hein. Et donc, on va commencer par... Alors moi, j'ai envie de commencer et de terminer. On va terminer par le Speed Duel. Et j'ai envie de commencer par l'étoile... Pack Étoile Reigns. Donc on va commencer par celui-ci, c'est parti. Pom 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 pom. Alors, Gookie, Ogre du Tonnerre pour commencer. Monstre Link. Un Link 3, bon. Mouais. Un guerrier, je connais pas trop ses effets. Ah oh, bah deuxième, d'accord. Deux fois le même. Et un Ange des Ténèbres en... Ok. Alors je sais pas c'est quoi comme type de carte quand ça brille comme ça, avec des petites étoiles partout. Mais en tout cas, la carte est classe. La carte est hyper classe. Bon. Donc voilà, pour le pack étoile, hein, ces trois cartes, c'est pas non plus un truc ouf. Bien, continuons avec Tempête de Rage. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant dedans? Oula, je l'ai pas suffisamment bien ouvert, celui-ci. Clairement pas du tout, même. Clairement pas du tout. Je l'ai mal ouvert, mais bon, c'est pas grave, le devant est intact. Alors, nous avons Chien de Chasse, Rouage Ancien. Monstre Machine, 1000, ouais. Combo du Zodiac. Pigeon chez nos biseaux. Alors je ne connaissais pas cette carte du tout, je connaissais pas. Fleur gardienne lumière solaire. Mm-hmm. Monstre synchro, 3000 d'attaque. Ouais, intéressante. Loup des fers, tremble un des lourds. Fleur gardienne de cerisier avec rideau, 2000. Un monstre à 3 étoiles, 2000. Guéri. Alors il doit avoir des effets un peu chiants, non? Ni invocable normalement, ni posable. Normalement, doit d'abord être invoqué spécialement par son propre effet. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, piocher une carte et si vous le faites, montrez-la. Puis invoquer spécialement. Ah ouais, en plus elle permet de. Ah ouais! Ok, elle est très intéressante comme carte. Pourquoi pas potentiellement dans un deck Exodia? Faudrait que je réfléchisse. Signe du Zodiac. Ascension aussi fait un magir en plus. Et Cyber Tutubon. Tutubon. Voilà, c'est Tutubon. Speedgel, on va le laisser là. Hop. Ensuite, Spectre de l'Ombre. C'est parti. Alors, Razetsu. Ouais, monstre 1500, 1009. C'est raisonnable. Shou Shine. Oh, il est chou. 800, monstre bête. Ok. Dragon Protecteur Cuirassé. Oh, 2000. Oh la vache. 2000, 2800. C'est bizarre ça. Oui, mon chat. Le chat qui est. Oui, il y a d'autres cartes qui sont plus mignonnes que toi. Le chat, qu'est-ce que tu veux. Dragon Mythique de l'Arbre. Je ne connaissais pas cette carte. Bête fantôme, mecha, pareil, c'est beaucoup de cartes que je ne connais pas. Oh, Tsuchinoko. Dans le terrain. Attendez, par contre, je viens de voir un truc. Là, le titre est brillant. Ok. Oh, les classes aussi, j'aime beaucoup l'artwork. J'aime beaucoup l'artwork. Poussiéron bleu, bouclier intrigue, et boxeur indomptable au coup de lapin. Bon, d'accord. Ok, beaucoup de cartes que je connais pas, mais pourtant, beaucoup de guerriers, de bêtes. Maintenant c'est Spectre de l'Ombre, mais très peu de ténèbres. On passe au Jugement de la Lumière. Alors, Informe Horreur de l'Ombre. Ah bah comme quoi Marvin n'existe pas seulement en carte. Bujingi Ophidien. Ouais. Bételé à nouveau, un démon de Bételé. J'ai un démon dans le Jugement de la Lumière, ouais. Bujin Fidèle. C'est monstre Bujin. Ouais. Épée Séraphin. Monstre Séraphin. Héritière Arc-Démon. Le Calibreur. Parure Bujin. Zéréfor, Princesse des Glaces, ok, et Traptrix. Oh, celle-ci, je connais absolument pas du tout. Monstre Plante. D'accord, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. On passe au nouveau Challenger. Alors, Résurrection Potariste. Oh, genre, les monstres Potaristes dedans, non? Elegie de la Diva de la Musique. Ah, ça fait un monstre Diva en plus, j'avais enlevé quelques-unes. Ah, Diva, bah, à nouveau. Ok, bientôt pouvoir faire... Oh, monstre Peluchimal. Putain, j'ai toujours du mal avec les noms. Monstre Elf, 1200. Ok, j'avais quelques cartes Peluchimal, mais...
Celle-ci, je l'avais pas. Nickel. Oh, dragon démasqué. Encore un monstre dragon. Ah non, c'est une Wyrm. 1000-4000, ok. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type Wyrm avec 1500 de défense maximum. Ok, depuis votre deck. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Lance au Shogi. Imite Argile, ok. Robot Bureau, il me semble que je l'ai déjà celui-ci. Et Laser Clip, je sais pas comment on dit. Ok, on passe au Chasseur de l'Infini. Tiens, ça me fait un beau paquet de cartes. Je pense pas qu'il y en aurait autant. Oh merde, encore un nouveau, pas bien ouvert. Bah alors, je fais mal mon boulot. Hein. Hop. Alors, oh. Une super pour commencer. Porte Thanoser. Porte Thanoser. Thanos. Ou je sais pas comment on dit ça. C'est une créature un peu space. Ok, elle est jolie. Magicien céleste portatif, bah à nouveau. Super. En fait, il n'y a que des super, je crois, dans les chansons d'infini. Main droite du magicien. Chimeta, artisan sorcière. Et moissonneur, chenille de l'infini. Chenille l'infini. Ok, monstre machine, 2100 de défense, 2 étoiles seulement, pas mal. En ultra en plus. Ok, sympatoc. Et on termine avec le petit speed duel que vous aimez tant. Non, je plaisante. Que beaucoup de gens n'aiment pas. Je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas ce speed duel. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa, ça permet de revoir les anciennes cartes de l'époque. Alors, un zombie clown de plus, un blocage d'attaque de plus, un chevalier mystique et roi des crânes serviteur. Je n'avais pas celle-ci. Alors, les trois autres avant, je les avais, mais celle-ci, je ne l'avais pas. Puissance. Un secret. Ouais. Ouais, sympatoche. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite unboxing vous a fait plaisir. J'ai eu quelques cartes, pour moi j'ai pas eu vraiment ce que je cherchais, mais c'est déjà sympathique. Je me suis dit, avec de la chance, peut-être que dans le speed duel, j'aurai l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Malheureusement, non, ni Harlequin. C'est la vie. Sur ce les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Salut!